blanco, de castillo rojo, y Mayalito mi tierra no paseo. Tengo rote y rompe. Dans tout le concept du coco ça. Hey, kudos, kudos.
Merci, merci, merci à tous d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours, toujours un plaisir d'être avec vous. Et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. On va bailler un peu, on va parler, on va décortiquer ce qui se passe au niveau du Mali. Faites monter le mercure. Nous sommes à 3000 personnes connectées. Et aussi, on va parler de l'action, les coups de fil que Alassane Draman Ouattara a eu à lancer aujourd'hui pour pouvoir aider son frère Ibeka, mais qui a été du fiasco. Et nous allons parler aussi de l'avenir de nous les Ivoiriens, parce que à travers nos frères maliens, aujourd'hui, on a encore plus l'espoir, on a encore plus cette envie, on est plus galvanisé à sortir dans les rues, à hausser nos voix, à dire cette démocratie, cette liberté d'expression, cette cohésion que nous voulons tant dans notre pays va enfin aboutir par la grâce de Dieu. On va parler aujourd'hui, on a vu, on a suivi les événements sur le bobo de Mali il y a quelques semaines de cela. On a eu à dire que non, voilà, Ibeka, il est soutenu par la France. Ibeka ne part pas quelque part. On a même eu, eu connaissance des différents déplacements que Alassane Draman Ouattara a eu à mener au sein du Mali, où il faut que je rafraîchisse la mémoire, pardon, et que Alassane Draman Ouattara a été hué, il a été chassé du Mali. Les opposants du Mali lui ont dit que Alassane Draman Ouattara, tu n'es pas un exempt, tu ne respectes pas la constitution de ton pays, tu ne respectes pas les lois de ton pays, donc tu ne peux en aucun cas venir dire à nous les Maliens, à nous les opposants maliens, que nous n'avons pas le droit de crier haut et fort, nous n'avons pas le droit de dire que nous ne voulons pas de Ibeka. Tu n'es pas un exempt, donc tu ne peux en aucun cas venir donner des conseils, voilà, à nous les Maliens. On a vu comment est-ce que Alassane Draman Ouattara était tout fâché, il était tout, déboussolé quand il a quitté le Mali. Il n'était pas du tout content du fait que, quelque part, il a été honni, voilà, par les opposants. Et dans un de mes directs, Chris Yapi aussi a eu à faire le cassement de papo où j'ai eu à vous dire que Alassane Draman Ouattara a promis aux opposants maliens que lui, Alassane Draman Ouattara, tant que lui, il sera le président de la République de Côte d'Ivoire, qui va pouvoir activer son réseau, voilà, sur le plan international. Il va se rassurer que les opposants maliens ne pourront en aucun cas venir accéder à ce pouvoir. Nous avons eu aussi le cassement de papo concernant les armes qui ont été véhiculées depuis le port de la Côte d'Ivoire en transition vers le Mali, qui a été signé avec en complicité à Ahmed Bakayoko pour pouvoir venir en aide encore à Ibeka, voilà, et l'emmener à se maintenir, voilà, au pouvoir. Mais vous le savez, Dieu est toujours du côté du peuple. On le dit toujours, ce que femme veut, Dieu le veut. Nous avons haussé nos voix, nous avons prié, et le peuple a surgi, le peuple malien. Ils sont sortis dans les rues, ils ont haussé leur voix en non-stop pour démontrer à Ibeka que nous les Maliens, quand on te dit qu'on ne veut pas de toi, quand on te dit qu'on est prêt à pouvoir accéder à une nouvelle génération, à un nouveau concept, à une nouvelle manière de faire la politique dans notre pays, nous allons te dégager, que tu le veux ou pas. Les Maliens ont insisté, ils ont persisté, ils ont vu la vision, ils ont cru en leur combat, et aujourd'hui le fruit a bien et bel, nous le voyons, Ibeka est déboussolé, Ibeka a été arrêté, Ibeka est du passé aujourd'hui, si on peut le dire ainsi, sur le côté du Mali. Nous avons des présidents africains qui ne pensent que des dictateurs à vouloir imposer leur conception, leur manière de vivre, leur manière de gérer le pays. Nous le disons haut et fort que nous, les Ivoiriens, aujourd'hui, nous de cette génération, moi j'appelle toujours génération insoumise. Nous ne sommes pas prêts, voilà, à accepter cette manigance. Nous ne sommes pas prêts à accepter cette marginalisation. Nous ne sommes pas prêts à ce que les opposants soient incarcérés. Nous ne sommes pas prêts à ce que les opposants ne puissent pas sortir dans les rues et hausser leur voix et dire « basta, c'est basta ». Nous, on a décidé aujourd'hui de prendre notre destin en main. Nous avons décidé aujourd'hui de vouloir et nous imposons ce changement. Et Ibeka, aujourd'hui, est tombé comme un fruit pourri. Alassane Draman Ouattara a activé son réseau depuis hier, a mis à appeler Macron en disant à Macron de pouvoir convaincre et passer par, l'UNESCO pour qu'on puisse
France, la révolution va venir de nous, les Africains. C'est nous qui allons prendre notre destin en main. La France ne peut en aucun cas venir. C'est géré dans nos problèmes tant que nous ne donnons pas le coup d'assaut. C'est ça qui est la vérité. C'est à nous de sortir. C'est à nous de hausser nos voix. C'est à nous de montrer sur le plan national, certes, mais sur le plan international que nous sommes prêts à vouloir, à nous sommes prêts de ce changement. Et peu importe que la France vienne, la France ne va pas venir nous imposer Alassane Draman Ouattara, et la France ne peut en aucun cas imposer Ibeka. Alassane Draman Ouattara voulait à tout prix que Ibeka puisse se positionner parce que lui-même, il sait qu'il est en train de foutre la merde, le bordel dans le pays. Donc, il veut quelque part une assurance. On te dit, Alassane Draman Ouattara, la manière dont tu as eu à sauter la clôture là, dans les années de temps de la rébellion, là, c'est facile, on ne saute pas clôture. C'est ça qui est la vérité. Tu vas apprécier sur le plan national, tu vas apprécier tous les actes et les impacts que tu es en train de poser dans la vie des Ivoiriens. C'est ça qui est la vérité. Tu vas apprécier. Il n'y a pas question de sauter clôture, il n'y a pas question de nager, il n'y a rien de tout ça. Aujourd'hui, c'est du concret. Le peuple malien, bravo à vous. C'est une fierté pour nous. C'est une fierté pour l'Afrique. Ne voyons pas seulement sur le côté du Malien. Il y a certaines personnes qui ont eu à me dire, voilà, le matin, mais la guêpe, pourquoi est-ce que tu poses les trucs du Mali et tout? Faut pas te concentrer sur les problèmes des Ivoiriens. Mais vous oubliez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase où c'est un combat générationnel, mais international. Nous avons des dictateurs en Afrique aujourd'hui, et nous avons des dictateurs en Côte d'Ivoire, nous avons des dictateurs au Mali, nous avons des dictateurs en Guinée. Et nous devons nous entraider et nous devons montrer, voilà, aux yeux du monde international que la France peut se gérer dans les problèmes de nous, les Africains, mais à un certain degré. Nous n'allons plus accepter parce que quand même nous avons accédé à notre indépendance. C'est ça qui est la vérité. Donc nous n'allons plus accepter que la France puisse venir nous imposer des présidents qui seront là à utiliser nos ressources, à plier nos biens pour pouvoir, eux, quelque part, avoir des intérêts, des pourcentages. Nous ne sommes plus prêts à cela. Et c'est le moment, aujourd'hui, le cas du Mali n'est pas seulement le Mali, mais c'est un coup d'envoi pour tous les autres pays africains limitrophes pour pouvoir montrer aux yeux, voilà, sur le plan national, voilà, pour les Maliens, et sur le plan international pour nous autres, que vraiment, l'heure est grave, nous sommes prêts à sortir dans les rues, à aussi haut et fort nos voix, que le changement, nous avons besoin, nous implorons, et rien ne va, et je le dis, absolument rien ne peut nous empêcher de pouvoir avoir ce changement. Je vais vous montrer là, je vais partager avec vous des informations, voilà, que j'ai eu, certaines informations que j'ai eu à poster, voilà, sur ma page Facebook, et certaines informations aussi, je n'ai pas posté, mais là, je vais vous montrer. Voilà le flash info de Alassane Draman Ouattara, présidentiel 2020, qui nous dit « Je ne rentre pas dans ce faux débat de la Constitution qui, pardon, d'autres, connaît mieux cette Constitution que moi. » Alassane Draman Ouattara nous dit qu'il ne va pas rentrer dans ce débat, ce faux débat de la Constitution, parce que qui d'autre connaît mieux cette Constitution que lui? Et effectivement, Alassane Draman Ouattara doit connaître notre Constitution plus que nous, parce que c'est celui-là même qui a eu à changer notre Constitution à sa guise. Il a le droit de connaître la Constitution plus que nous, parce que il fait de ce qu'il veut de notre constitution, et cette constitution qui est supposée être le noyau de tout État est à la guise de Alassane Draman Ouattara. Donc pour moi, ce n'est tout juste qu'une certification de ce que nous le savons depuis fort longtemps, quand cette constitution a été changée pour pouvoir l'emmener, lui, Alassane Draman Ouattara, à s'assurer et sécuriser ses intérêts. On va revenir encore sur le fameux discours que Alassane Draman Ouattara a eu à tenir. Mais bien avant d'âge, je vais partager avec vous la conversation qu'il a eue à Macron. Alassane Draman Ouattara a activé tous ses réseaux, comme je le dis aujourd'hui, pour pouvoir convaincre Macron à vouloir aider Ibeka à toujours se positionner au niveau du Mali. Et ça a été un fiasco parce que Macron a eu à dire à Alassane Draman Ouattara que non, qu'il refuse de s'ingérer dans le problème des Maliens et que c'est au peuple du Mali de décider de leur souveraineté. C'est à eux de décider de ce qu'ils veulent faire de leur pays. Donc, big up à Macron, voilà, sur ce côté. Et on va revenir sur ce que Alassane Draman Ouattara,
Aujourd'hui, à la Sandra Ouattara, à la trouille. C'est moi la guêpe, je vous dis, c'est pas un débat, je mets quiconque au défi de ça. Il a la trouille, il a la peur de telle sorte que à la Sandra Ouattara n'a même plus de vie en ce moment parce qu'il est obligé d'être confiné chez lui à la maison en pensant que quand il sort dans les rues, quelqu'un risque de le chuter ou bien quand il sort dans les rues, il y a une manifestation ou bien il y a un coup d'État qui risque d'arriver dans le pays. Il a la trouille tellement que il est obligé, avec la chiélie, la merde de bordel qui se passe dans le pays, à vouloir rassembler tous les chefs coutumiers et les emmener à accepter indirectement cette envie pour lui de vouloir faire un troisième mandat. Et contrairement, il leur a donné des millions pour pouvoir les emmener à parler à leur peuple dans leurs différentes villes et villages pour les emmener à comprendre que oui, Alassane Draman Ouattara est la personne qui est plus apte à pouvoir diriger notre pays, quand nous le savons très bien que ce monsieur est un vendeur d'illusions, c'est un imposteur, voilà, c'est un hors-la-loi-tiste, c'est un coup d'étatiste, c'est celui qui est là, qui quelque part est là toujours en train de déstabiliser ces déstabilisateurs de pouvoir qui déstabilisent toujours les pouvoirs qui sont mis en place. Donc, ce monsieur est un habitué. Voilà, donc aujourd'hui, il a la trouille, il est obligé. D'abord, il a eu à avoir recours aux généraux et aussi aux Eskomzo. Il leur a donné 100 millions par généraux et 50 millions par Eskomzo pour pouvoir les emmener à le soutenir dans sa bêtise, dans sa chienne. Mais nous avons remarqué que dans certains endroits du pays où les gens sont sortis, qu'ils ont eu à manifester, voilà, les gendarmes, les policiers n'ont franchement pas intervenu. Et je leur dis merci pour ça parce que c'est comme ça c'est supposé être. L'armée est supposée être là pour protéger le peuple et non un individu. Et généralement, c'est ce que nous constatons, pas dans les pays africains, mais je dis merci à l'armée et de continuer à faire le discernement parce que c'est l'avenir du peuple qui est en priorité et c'est ça qui doit être le focus de leur boulot. Voilà. Donc, je vais vous montrer là, je vais partager avec vous l'audace que Alassane Draman Ouattara a de vouloir parler au chef coutumier et donner l'impression que lui, Alassane Draman Ouattara, je lui dis qu'Alassane Draman Ouattara n'est pas un dieu, il est le dieu de personne. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain stade où nous avons besoin de prendre notre destin en main. Nous avons besoin de comprendre que si nous ne sortons pas, nous ne haussons pas nos voix, nous ne demandons pas ce changement, assez de cœur sécurisé, m'en dirait, je vois assez de tête de moi, sécurisé, m'en dirait, et que nous ne demandons pas et nous n'imposons pas ce changement à Alassane Draman Ouattara. Ce monsieur, je vous dis qu'il va avoir 120 ans, si Dieu lui donne cette longue vie, de vouloir toujours chercher à se maintenir, voilà, à la tête de notre pays. Donc, on va écouter attentivement, et minutieusement les dires de Alassane Draman Ouattara. Parce que ce que je fais, dans mon intime conviction, je le fais pour mon pays, je le fais pour mes concitoyens. Je le fais pour la Côte d'Ivoire, mon pays que j'aime tant. C'est pour cela que j'ai accepté d'être candidat. Et je peux vous assurer que la violence ne passera pas. Alassane Draman Ouattara nous dit que la violence ne passera pas. Mais si vous vous souvenez très bien que Alassane Draman Ouattara est celui qui était en exil et a eu à dire « Je frapperai ce pouvoir et il tombera ». Donc, pour lui de dire que cette violence ne passera pas, pour moi, c'est du pipeau, comme je le dis. C'est du n'importe quoi, ça n'a aucun sens parce que lui, il a été toujours le déstabilisateur de tous les pouvoirs qui ont existé dans notre pays. Donc, pour lui de sortir et nous dire que la violence, voilà, ne va pas résoudre quelque chose est... La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent partagez, nous sommes à 5000, faites monter le mercure. Et nous sommes unis sur notre volonté de préserver la paix pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Mais si on est démocrate, mais c'est très simple. Il y a une constitution. Chacun peut avoir son point de vue. Alassane est en train de nous mentir. Faites monter le mercure. Il nous ment parce que cette constitution a été échangée. Cette constitution est à sa guise. Il ne peut en aucun cas nous parler d'une démocratie quand nous avons la majorité des opposants en ce moment qui sont incarcérés. Il ne peut en aucun cas nous parler d'une démocratie quand nous avons en ce moment et à cet instant T des opposants qui sont exilés. Donc moi, je ne sais en aucun cas quand Alassane Draman Ouattara nous parle des démocraties. Je ne sais en aucun cas de quel genre de démocratie il nous parle. Par le peuple de Côte d'Ivoire. Mais laissons le peuple décider de son choix le 31 octobre 2020. Le peuple a décidé de son choix.
choix. Le peuple a dit Alassane Draman Ouattara haut et fort. Nous sommes sortis dans les rues, on a haussé nos voix sur les réseaux sociaux et aussi sur le territoire ivoirien en France et aux États-Unis ici. Nous avons haussé nos voix et nous avons dit Alassane Draman Ouattara que nous ne voulons plus de ce troisième mandat dont le peuple a déjà parlé. Voilà, donc je ne sais encore à quoi Alassane Draman Ouattara s'attend à ce que nous, les Ivoiriens, nous puissions démontrer par A plus B que nous ne voulons absolument pas. Et jeter des enfants dans la rue et de les amener à détruire les biens des uns et des autres. Cela n'est pas acceptable. Alors moi, je lance un appel à l'apaisement. Je lance un appel à l'apaisement. La Côte d'Ivoire, malgré les soubresauts, a connu 9 années de paix. 9 années de paix, j'en doute. J'en doute. Que cette paix continue jusqu'aux élections et après les élections. Je peux vous donner ma parole, mesdames et messieurs, que c'est un serment que je fais. La Côte d'Ivoire va demeurer en paix. Alassane Draman Ouattara nous a toujours fait des promesses. Ivoirien, Ivoirien, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il n'a jamais tenu à ses promesses. Donc, pourquoi est-ce que nous allons continuer de mettre la vie, le destin et l'avenir de notre nation, de notre patrie, dans la main de quelqu'un qui ne tient même pas la moitié de ses promesses? 5 universités en 5 ans, nous avons vu comment ça arrivait. Vous avez vu sur le plan social, vous avez vu un peu sur le plan, comment on le dit, de la santé. Voilà, vous avez vu tout ça. Nous n'avons pas des hôpitaux. Tout ça, ça a été des promesses qui ont été faites par Alassane Draman Ouattara qui n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, nous nous rendons compte quand eux, ils sont malades, ils vont en Europe se soigner pendant que l'Ivoirien lambda n'arrive même pas à avoir accès à des soins adéquats. Donc, les promesses ont été tenues, pardon, les promesses ont été faites, mais elles n'ont jamais été tenues. Assumer. Parce que ce que je fais, dans mon intime conviction, je le fais pour mon pays, je le fais pour mes concitoyens. Je le fais pour la Côte d'Ivoire, mon pays que j'aime tant. C'est pour cela que j'ai accepté d'être candidat. Non. Et je peux vous assurer que la violence ne passera pas. La violence ne passera pas dans notre pays. La violence passera dans notre pays, Alassane Draman Ouattara, parce que tu es un habitué de cette violence. Tu es un déstabilisateur de pouvoir. Il y a eu des Ivoiriens qui sont morts à cause de toi, ton combat. Donc, de quoi est-ce que tu nous parles que cette violence ne passera pas? Non, aucun opposant n'a incité ses partisans à sortir dans les rues et casser les biens privés ou les biens publics. Mais la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain stade où Alassane Draman Ouattara refuse que nous, les Ivoiriens, et la plupart du temps, les opposants, sortent et haussent leur voix. Donc, si tu empêches quelque part les opposants à sortir, leurs partisans à sortir et hausser leur voix et dire non à ton troisième mandat, quelque part, tu vas directement ou indirectement les inciter à la violence parce que tu vas les mettre le dos au mur et les gens vont continuer à sortir, à hausser leur voix. Et là, il y aura des affrontements. Donc, les affrontements vont engendrer du fait que Alassane Draman Ouattara aujourd'hui refuse que les Ivoiriens sortent dans les rues et manifestent leurs droits et leurs devoirs, qui est cette liberté d'expression. On va continuer et démontrer encore. J'ai assumé, parce que ce que je fais, dans mon intime conviction, je le fais pour mon pays, je le fais pour mes concitoyens. Je le fais pour la Côte d'Ivoire, mon pays que j'aime tant. C'est pour cela que j'ai accepté d'être candidat. Et je peux vous assurer que la violence ne passera pas. La violence ne passera pas dans notre pays. Ceux qui travaillent avec moi le savent. Et nous sommes prêts à continuer jusqu'aux élections et après les élections. Les gens ici qui ont fait la prison, parce qu'ils ont assumé. Alors, si les gens veulent manifester, mais qu'ils aillent eux-mêmes dans la rue, qu'ils arrêtent de jeter les enfants. Et j'ai assumé. Parce que ce qui a été dans la rue, elle a fait la prison. Ahmed Bakayoko à ma droite,
a fait la prison. Je peux continuer de nommer plein de gens ici qui ont fait la prison parce qu'ils ont assumé. Alors, si les gens veulent manifester, mais qu'ils aillent eux-mêmes dans la rue. Mais Alassane Draman Ouattara, je vous dis qu'il y a un plan qui est derrière ce message que Alassane Draman Ouattara a eu à lancer. Si les gens veulent manifester, qu'ils sortent eux-mêmes dans les rues. Nous avons remarqué que plus les opposants sortent dans les rues, plus ces personnes sont incarcérées. Donc, pour toi de dire si les personnes veulent manifester, que ces personnes-là sortent d'elles-mêmes à aller dans les rues, ça n'a aucun sens. Alassane Draman Ouattara, ça n'a aucun sens. Parce que son plan aujourd'hui, c'est de essayer par tous les voies et moyens à incarcérer toutes les personnes qui ont une, comme on le dit, une notoriété, si je peux le dire ainsi, qui peut avoir un impact, voilà, directement ou indirectement sur leurs partisans. Donc, ils veulent les emmener à sortir, à hausser leur voix, à les incarcérer. La preuve en est que nous avons ce qui s'est passé, voilà, le 23 décembre. Nous avons la majorité des députés, voilà, et tout, qui ont été incarcérés, des opposants, des adeptes du concept de Soro Dibafori Guillaume, qui sont aujourd'hui, jusqu'à cet instant, qui sont incarcérés. Donc, ça n'a aucun sens pour toi de dire, si les gens veulent hausser leur voix, tout, que ces personnes-là sortent d'elles-mêmes pour manifester. J'ai assumé. Parce que ce que je fais, dans mon intime conviction, je le fais pour mon pays, je le fais pour mes concitoyens. Je le fais pour la Côte d'Ivoire, mon pays que j'aime tant. Alassane, pardon. C'est pour cela que j'ai accepté d'être candidat. Nous allons... Et je peux vous assurer. Je vais partager encore avec vous les dires de Alassane Draman Ouattara. C'est pas dire, ça n'a rien à voir avec la guêpe. On va décortiquer. Voilà. Donnez-moi une seconde. Je suis en train de... Alassane Draman Ouattara, je le dis haut et fort. Alassane, c'est du fini. C'est du passé. Et c'est à nous, les Ivoiriens, de prendre notre destin en main. C'est à nous de sortir et crier haut et fort que nous sommes fatigués de tout ce qui se passe en ce moment et à cet instant et dans notre pays. Je vais revenir encore avec... donnez-moi une seconde, je suis en train de chercher rapidement. Partagez, faites monter le mercure. Aujourd'hui, c'est une fierté au niveau de tous les partisans au niveau du Mali. C'est une fierté pour eux, pour nous, les Ivoiriens aujourd'hui, de voir que les Maliens ont quand même démontré par A plus B qu'ils sont vraiment dans cette logique de dégager par tous les voies et moyens ce dictateur qui ne fait que, voilà, tous ces dictateurs au niveau de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, qui sèment le désordre, le bordel, si je peux le dire ainsi, dans notre pays. Je vais vous montrer quelque chose rapidement sur les dires, les propres dires de Alassane Draman Ouattara dans sa marmaille. Le monde a changé. Le monde a changé et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques. On va écouter attentivement. Africains. Il faut que le président Mugabe. Puisse quitter ses fonctions dans la dignité. Alassane Draman Ouattara, le donneur de leçons. On va l'écouter attentivement. Le monde a changé. Le monde a changé et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, pas seulement les chefs d'État africains. Il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine, mon ami. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge et compte tenu de la durée des fonctions, tout le monde est conscient qu'il est temps, bien sûr, qu'il cède son fauteuil à une nouvelle génération. Donc, je voudrais tout simplement... On va revenir
encore. Ce qui se passe, je vais remettre encore pour que nous puissions mieux. Non, que nous sommes considérés comme. Voilà. Donnez-moi une seconde. Voilà. Nous sommes contre les coups de force. Voilà, on va écouter maintenant. Le monde a changé. Le monde a changé. Et ce qui se passe au Zimbabwe interpelle tous les hommes politiques, pas seulement les chefs d'État africains. Il faut que le président Mugabe puisse quitter ses fonctions dans la dignité. C'est le message que j'ai transmis au président de l'Union africaine, mon ami. Nous voulons que le président Mugabe quitte ses fonctions dans la dignité. Évidemment, à son âge et compte tenu de la durée des fonctions, écoutez le conseil d'Alassane Ouattara. Bien sûr qu'il cède son fauteuil à une nouvelle génération. Donc, je voudrais tout simplement dire publiquement que ce qui se passe au Zimbabwe nous interpelle. Non, qui nous considérons comme des démocrates, nous sommes contre les coups de force de quelque nature que ce soit. Donc c'est Alassane Roman Ouattara. Écoutons-le. Vous savez, il faut respecter les lois dans nos pays. Moi, je suis très attaché à la Constitution, aux lois électorales. Et... Face à ce cas de force. Vous avez entendu. Et par devoir. Juste pour dire que Alassane Roman Ouattara veut toujours. Je vous dis, ce monsieur est un imposteur. Il n'a jamais dit la vérité. Il a été vraiment une erreur, une anarque. Voilà, pour nous les Ivoiriens. Mais je pense que les vrais Ivoiriens aujourd'hui comprennent qu'il est temps pour nous de dégager ce monsieur pour que notre pays puisse aller de l'avant. Je vais m'adresser un peu dans mon djoula. Ah, les gens ont aimé, ils ont apprécié mon djoula. Oui, certes, je ne parle pas bien le djoula, c'est OK. Mais au moins, le message que j'ai eu à véhiculer la dernière fois, je pense que le message a été conçu. Donc, je vais m'adresser, voilà, à mes parents nordistes. Je vais m'adresser avec eux dans mon djoula bancal. Mais ce qui est sur le message va passer. Je m'en gaba parce que c'est ça aussi. Hein. Je vais leur dire, expliquer réellement ce qui se passe un tout petit peu, faire le briefing. Voilà, pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Donc, Fatiani Bamso, Anoula, voilà. Wladana, me fait kami fouanyana. Malla Ibeka. Ibeka abara sigi malla, abara malion toro. Abara hamina bla malion la. Donc, malion bara wuli ko yereke mo kele ka Ibeka gbenbi, ka Ibeka bo malla. On me se ka mi fouanyana. Bien cela yoro mina Alassane Draman Ouattara te fait bien et kanga dougula te fait here ka kanga dougula en kanga ka nyoro bien en kanga ka famialike aya ye Alassane Draman Ouattara bi ka de ou be Alassane ye mo mo bla kaso la bi a de nou a de ou be le poila segela dabakala korogo comment on appelle odine ayo be le bla kaso la donc antena se ka an si ke o kere mise mise nouna. Il est temps pour nous pour que en me bo ka Alassane Draman Ouattara ben ka banga dougou la pour qu'en a dougou et hereni bato so. En a dougou et hereni bato so. Alassane Makotan la. Alassane Mangene, Alassane Beta Franci. Alassane m'a d'autres sociables à Odine. Ama d'autres sociables à Korogo. Ama d'autres Ali Ahmed Patrioti. Mira voilà quoi l'air be sege la caille. A de la kaya amè di patrioti fenye, comment on appelle d'autre so, dobla et segelaye. Foy l'été en a doula. A Alassane Draman Ouattara na mousso fanta be. O banga wari ni a ivoire yon ka tiye bel etala. Ka ke o yere tay. Kana ke bitogo, ka djumani, ani comment on appelle kanja. O bo ivoire yon ka tiye bel etala. Anana set maminam, il faut qu'on ait hakli le to en yere là. Il faut qu'on ait beau le kan yere ke mouye. Nan kan yere to Alassane Draman Ouattara boro. Walai bilai talai. Ivoirien, an a dougou be chien ka continue ou la. Alassane Draman Ouattara kan kata, mou si elle est à kakola. Mou si te Alassane Draman Ouattara kakola. Mali a ko nana commencé tout maminam. A wuri la ka tourni ala ka foka le meta mala ka takuma malion ma koma yo ibeka toy koma yo kan pa ka kereke koma yo ibeka boya
Mais allez, les Nyanako, allez, les Kadou, ni les Ivoiriens, ni les Côte d'Ivoire, benta nous mormaï. Benta. Donc, Malien, on a foi, Nyana. Quoi est Sabari, quoi est nous, toi? Parce que, allez, arrêtez cela, constitution, c'est-à-dire que, Djamana, il est à loi, mais nous, Baréa. Allez, arrêtez cela, il est qu'on nous respecte. Donc, allez, c'est qu'à ta forme, on est qu'on nous est Ibeka. Ibeka supporté. Donc, Malien, yo ben, yo Alassane Draman Ouattara, ben kaboué. Macron ta kakola, Donald Trump ta kakola, Morsi ta kakola. Ibeka bola, Malien, Ibeka ben bikaboka djamana. Malien, yo ben. Donc, c'est une leçon pour nous, pour que, Anye Mirika, l'oncle Alassane Draman Ouattara, nana 7 mois minane. Il est temps pour nous, quand Alassane Draman Ouattara, ben kaboué. Pourquoi Anye Hereni Batoso? Aya deon mou blaka sola, a deon bese kabo, kanalou soro, Hereni Bato la fanane. Donc, merci à tous ceux qui sont restés connectés. On va framponner toujours dans notre langue maternelle. Même si c'est tordu, c'est qui est su. Le peu. Ils vont pic ça. Ils vont collecter et ils vont comprendre que l'heure est arrivée au moment où nous avons besoin, voilà, de unir nos forces pour chasser ce dictateur, cet imposteur, ce vendeur d'illusions de notre pays pour que nous puissions avoir la paix, la sérénité, l'amour et la cohésion, la fraternité puissent revenir. Voilà, entre nous, frères et sœurs ivoiriens. Donc, sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés. Big up à mes frères maliens. Je leur claque plein de bisous. Vous avez donné l'exemple et c'est à nous aujourd'hui de continuer dans cette lancée. Et nous allons sortir, nous allons hausser nos voix non-stop pour que le changement que nous voulons, le changement que nous implorons, nous puissions la voir et degré ou pas. Force. Donc, bisous à vous. Je vous claque plein de bisous. On est toujours au COI et continuez. Merci aussi. J'en profite aussi pour dire merci à mon élément pour tout le support inconditionnel et à toutes les personnes qui m'envoient à partir du Mali, m'ont envoyé des vidéos et des personnes aussi au niveau de la Côte d'Ivoire qui m'ont envoyé des vidéos pour que je puisse partager, voilà, sur ma page Facebook. Merci à toutes ces personnes et vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love.